Ah bah là oui, là il y a des trucs à voir. Hein. Et je sais pas si t'as déjà vu la version glitchée, mais... Ah, ça va être assez fun. Hein. Tu vas en avoir dans les yeux hein, et dans les oreilles. Parce que là, Babe est encore dans le Light World. Mais là, on va aller dans le Dark World de Babe. Et je pense que tu n'es pas prêt pour ça. En même temps, qui peut être prêt pour ça? Ah bah... Attends. C'est un vrai jeu, c'est pas Astérix, hein. C'est un vrai jeu avec des vrais glitchs et tout, hein. Astérix, c'est peanuts, hein. C'est un peu de gameplay, mais... C'est bon, le glitch est réussi. Ah, ça parle moins là, ça bégaye là. En vrai, il y a du skill parce que les niveaux ils sont illisibles comme ça. Oups. C'est de la vision de jeu comme League of Legends. Putain, mais c'est pas possible quoi. Oui, l'agonie, c'est parce que le jeu est glitché. Ça change les bruits. On dirait qu'on l'égorge, le bouton, pauvre. C'est pas sa faute, hein. De faire ça. Toc. Ça fait peur, tu trouves? Moi je trouve ça assez kid friendly et tout. Yolo se connaît déjà le jeu. Mais bon, je suis pas sûr qu'il soit vraiment à la hauteur hein, pour un run aussi difficile, mais... Après, peut-être, hein, je sais pas. Je suis pas certain qu'il marche plus vite, je suis pas sûr. Prendre à gold. What? Pas où faut passer, genre. Mais c'est là. Je suis complètement con, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, les cutscenes sont plus rapides et rien que ça, ça justifie le...
Honnêtement, la minute 11 qui est passée, elle est largement récupérée. Hein. Les fade-outs sont vraiment longs, et ne serait-ce que dans la street, le temps des fade-outs, c'est ouf. Et puis le swag aussi. Très important. Parce que t'as l'air d'oublier la composante swag, mais ça reste le plus important. Papapam. Ce niveau, c'est quand même le meilleur niveau de lisibilité. Oh, jeune softlock, putain le con. Ah oui, peut-être que c'est la musique en fait qui fait que ça accélère, le fait de défaire la musique. Mais c'est même pratiquement sûr, hein, parce que en fait, c'est, à mon avis, c'est parce que le fait que ça accélère fait que le glitch marche plus. Hein. Donc c'est possible que défaire la musique accélère le jeu. C'est un peu con comme on l'a foiré là, mais non. Ah, des os, hein. Qui c'est qui a trouvé le glitch? Rappelle-moi, s'il te plaît, parce que j'ai oublié. Ok. Je sais pas qui c'est, mais il a l'air sympa. Tac. Raxis, non, je crois pas, non. Il a réussi à faire planter le jeu une fois, Raxis. C'est pas pour ça qu'il a trouvé le glitch. Hein. Il avait même pas vu qu'il redémarrait le jeu. Alors, hein, déjà. Il a même pas eu la patience d'attendre qu'il reboot, franchement. Et du coup, je pense qu'il avait eu la version du manoir, Raxis. Du plantage, il avait celui du singe, où il pressait, il avait maintenu bas au début du niveau du manoir. Ah bah ça se vit, hein, bah, ben c'est une vraie expérience, hein. C'est un truc à part entière. Hein. Que fais-je? Oh non, un pixel, quoi. Quelle honte. C'est possible. C'est tout à fait possible. Faut que je le vérifie, mais c'est une possibilité. La danse de l'aspirateur, je viens de faire.
Sacré petit farceur que ces développeurs de chez Crave Entertainment. J'ai fait de la merde, ouais, j'ai fait de la merde. Félicitations. Sur un des niveaux les plus faciles du jeu. Chaud. Non, il y avait un mur ici, putain. Dégage, merci. Merde, j'ai oublié de rentrer dans la cage. Faut rentrer dans la cage d'ascenseur pour le valider. Juste gagner tellement de temps ici, c'est fou. J'ai pas aligné les caisses comme il faut. Je suis sérieux. Quel connard. C'était dur, hein. Monter à la caisse d'une case, ouh. Alors, il sera peut-être proposé au stun. Au stun fest. Mais je sais pas s'il sera accepté parce que je sais pas si la team Superplay Live est en mesure d'apprécier toute l'étendue de la puissance de ce Superplay, en fait. C'est pas évident. C'est pas un Superplay où c'est apparent, en fait, à quel point c'est ce qu'il est et à quel point c'est beau. Mais bon, j'ose espérer qu'ils sauront reconnaître toute la... Bien sûr qu'il y a un univers étendu. Quelle question. Allons. Putain, j'ai fait de la merde. Le Babeverse ne s'arrête jamais. C'est... aïe, 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 aïe. J'ai créé un monstre. On peut pas le pousser une case de plus? Non, c'est chiant. On va faire comme ça. J'aime bien cette solution.
J'ai l'impression que le pace est bien meilleur quand même là. Peut-être que je me fourvoie, mais... Ah mais... Malheureusement non. On a tous fait une nulle race sur ce magnifique jeu. Il n'était pas consentant, ça s'est passé comme ça au détour d'un virage. Il a dérapé, ce sont des choses qui arrivent. Il savait pas dans quoi il se lançait, le pauvre. Vous pouvez pas le juger pour ça. J'aime beaucoup cette strat de Sagaz là, qui fait le niveau à l'envers. Je trouve que c'est une très solide performance. Quel hôpital. En fait, je dirais même plus, je dirais que le pace est insane. Rentre dans le carton. Magnifique. Oui, c'est comme ça. J'ai bien où est-ce que ça se déforme. Non mais c'était juste une race, hein. C'était contre ma volonté. On m'a pris en otage. Quelle indignité, quand même. Ça serait assez honteux en effet. Tu me verrais choqué et déçu. Oh putain. Je sais pas pourquoi ça bug ça quelquefois. Je crois que c'est ton orientation qui définit si ça bug ou pas. C'est débile. Ouais, je pense au split, ouais, maintenant je suis à fond là. C'est le run de ma vie. Tac. Pourquoi c'est calme? Parce que je parle plus? Je peux reparler si vous voulez, mais le problème c'est qu'il est un peu tard, donc...
J'ose pas trop faire trop de bruit, pour être tout à fait honnête. Et je suis assez concentré aussi, donc... Ah. C'est bien, c'est chill. Avec cette physique qui fait bouger tout le monde. J'ai jamais entendu une description qui est aussi précise sur cette musique et aussi on point, quoi. Vraiment, qui est aussi proche de la vérité, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Aïe, 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 aïe. C'est cheap, ouais, ou... C'est cheap, c'est parce que c'est du cheap tune, c'est cheap, parce que c'est vraiment de la merde. Et c'est cheap aussi, parce qu'il y a des moutons. Voilà. Je peux me coucher. Bah non, on est si près de la fin. On a bientôt fini Hospital. Tu manquerais pas quand même l'écran de fin de ce jeu? Ce serait un sacrilège. Ah bon. Non mais je déconne, hein, tout ça. Non. Je viens de... Si c'est bon, c'est rattrapable. T'es fort à rester. Non mais... Je rigole. De toute façon, c'est... Je suis le premier à me barrer des streams de Lost quand je suis fatigué, donc je vais pas juger. Hein. Très clairement, c'est important de bien dormir. Et du coup, merci d'être passé, c'était très sympa. Et peut-être à une prochaine fois. En attendant, je pousse mes boutons. Je suis forcé de rester, je crois. Non, merde. Dégage. Le manoir, en plus, il se fait très vite. Il est assez peu nouveau, en vrai. Et on est beaucoup plus au point dessus, en plus. Ah bah tu vas voir, les crédits sont magistraux. Il faut le voir pour le comprendre. C'est tellement beau. Ils sont d'or et de platine et de l'argent. C'est exactement ça. Ah oui, merde, c'est cette salle de ces morts. Et bien en haut, nickel, ok. Facile. On est bon là-dessus. On est sur le niveau de l'enfer. Oh putain, c'est le pire niveau du jeu celui-là. Ah non, mais...
T'y vas. Oh, bonne nuit dans ce cas-là. Dors bien, repose-toi bien, et bonne répète demain. Et merci d'avoir été là, c'était très cool. On a bien débattu en plus. Je viens d'écrire un truc. Ouais. Tu viens d'écrire un truc. Ok, bah cool. J'ai pépé de la musique, je me casse. Puis-je vraiment t'en vouloir? Allez, salut H. What? Il s'est pas arrêté. Connard? Connard? Il revient, je crois, dans sa boucle. Et oui, que ça boucle. Putain. Connard de bouton, quoi. Je crois qu'il faut se mettre face comme ça pour que ça bloque vraiment bien. Exactement. Et le manor skip gratuit. Oh, on est quasiment à la fin. Dernière ligne droite. Le sub 30 est à portée de main. Va-t-on réussir à le faire? L'impensable? Putain, je sais aucune idée d'où faut aller. C'est là peut-être? Ouais, ça doit être là, je pense. Fuck me. J'ai aucune idée d'où faut aller. Sale jeu de merde. Y'a un bullshit, faut passer là, mais oui. J'ai retué mes pompeurs du bon lard. Ah bordel. Sacré Conrad. Conrad Gavin. De son petit nom. Rentré dans le lard. Oh là là là. Beaucoup trop d'humour. En vrai, le sub 30 serait presque envisageable. J'ai du mal à me rendre compte de la durée de Forest. Forest 2. Bon oui. Ah non, pas douter. Ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué le temps de pousser les caisses et tout. Ça me semble compromis quand même. Bah non, en fait on va le rater d'une bonne minute à mon avis. J'ai oublié qu'il était si long ce niveau. Et celui-là on l'a bien opti donc on devrait pouvoir le faire assez vite, donc c'est moins d'une minute ouais. En fait, t'avais raison, ça doit se jouer à assez peu de secondes en vrai. Ouais, si on est à 30 minutes ici, ça va se jouer à... ça va être du 30 minutes 30 quoi. À tout casser. Un peu plus, je me rendais moins compte du temps d'attente en fait. C'est pas évident hein, d'estimer. Hein.
On grite pas. Et c'est gagné. Ah, incroyable. Yes. Merci pour le GG. Mais du coup, le sub 30 est assez précis. Quand je disais sub 30, je disais ça à la louche. Mais en vrai, c'est assez précis. Hein. Merci pour les GG. Et donc voilà les magnifiques crédits qui sont d'or, de platine et de l'art fumé. Si tu me dis que ça en valait pas la peine, c'est que c'est un mensonge. Franchement, c'est magnifique.